Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite, donc une info news à propos des événements et d'une nouvelle danse qui pourrait fortement arriver sur Fortnite. Alors avant de vous parler de la nouvelle danse, je vais vous parler du YouTuber et du Twitcher Ninja Hyper. Donc Ninja Hyper, c'est un YouTuber qui a commencé par du PUBG, du H1Z1, voilà, et il s'est fait connaître là-dessus, donc c'était que des Battle Royale, et il streamait tout le temps, donc il s'est fait un nom là-dessus. Et puis quand Fortnite est sorti en septembre 2017, donc ça fait 6 mois seulement que Fortnite il est sorti, il faut savoir que Fortnite bat tous les records d'intérêt. Comparé à tous les autres jeux, il nique le game, quoi. En 6 ans, en 6 mois, il a niqué le game de tout le monde, quoi. Il a niqué Call of Duty, il a niqué tout. PUBG, H1Z1, il a tout niqué, c'est un truc de fou. Et Ninja Hyper a tout niqué aussi, que ce soit sur Fortnite ou sur Twitch. Donc là, je vais vous parler des trucs Twitch. Ninja, il y a 2 jours, il comptait 170 000 personnes sub. Donc un sub, c'est une personne qui sponsorise le Twitcher, donc un peu comme les sponsors YouTube, et ils doivent payer une histoire de 4,50€ ou 5€ par mois. Donc ça fait qu'il y a 170 000 personnes qui lui donnent 5€ par mois, les potos. Faites le calcul, c'est énorme. Alors il a plus de 3 millions de followers sur Twitch, donc 3 millions d'abonnés sur Twitch, et sur sa chaîne YouTube, je pense qu'il y a 6 mois de ça, il était à 1 million d'abonnés. Et maintenant, sur sa chaîne YouTube, il est à 4 500 000 abonnés. C'est la personne qui fait le plus de buzz jamais vu au monde sur les plateformes Twitch et YouTube. C'est un truc de fou. Et en fait, hier, donc le 15 mars, il a fait un... De la nuit à mercredi 14 mars à jeudi 15 mars, il a fait un live sur Fortnite avec une grosse personnalité, un rappeur américain qui s'appelle Drake. Et ils ont atteint 550 000 personnes en live. 1 demi-million de personnes en live. C'est le record mondial pour un streamer dans sa chambre. C'est un truc de fou. 1 demi-million, les potos. C'est un truc de malade. Et en fait, la communauté a envisagé de rajouter une émote qui est une danse. Donc la Hotline Blind, que je vous mets l'émote. En fait, cette danse, je vais vous mettre carrément l'image, enfin la vidéo où Drake fait cette petite danse. Comme ça, vous voyez un peu à quoi ça va ressembler. En fait, la communauté demanderait à avoir cette petite danse sur Fortnite Battle Royale. Alors, Fortnite Battle Royale a bien sûr, enfin Epic Games a bien sûr écouté sa communauté, a dit qu'ils avaient entendu ce que la communauté espérait et qu'ils allaient sûrement, enfin qu'ils allaient peut-être y réfléchir. Enfin, qu'ils allaient y réfléchir. Donc, je suppose qu'ils vont demander à Drake pour voir s'ils peuvent... Ils peuvent utiliser sa danse pour la mettre dans Fortnite, en sachant que Drake apparemment kiffe Fortnite Battle Royale. Donc apparemment c'est ce qu'il a dit dans le live de Ninja. Et donc c'est fortement possible qu'il commence à accepter, enfin qu'il accepte qu'on utilise sa danse pour la mettre sur Fortnite. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais vous parler un peu de Ninja, de vous parler de la nouvelle émote qui allait peut-être arriver sur Fortnite. Et voilà, vous parlez aussi des chiffres extraordinaires que Fortnite fait depuis 6 mois, c'est un truc de fou. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à partager énormément sur vos réseaux sociaux. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos et de photos. Allez, ciao, peace.